Alors, ce projet est né d'un amour fraternel, donc Vincent, Bruno et moi-même, et d'un autre amour qui est l'art de Villefranche. Et Villefranche serait l'épicentre du Piémont-Savoie, tant d'un point de vue géographique que d'un point de vue culturel et patrimonial, avec la citadelle. Le choix de Villefranche comme étant un des centres du travail est aussi parce que ça permet de faire un lien entre la France et l'Italie. Nous avons une conception tout à fait européenne, et fraternelle et ouverte, et le lien qui nous semble un des liens les plus importants au sein de l'Europe serait la relation presque de fraternité aussi avec l'Italie, avec la langue italienne, avec la culture italienne. Il faut prendre son temps si on veut avoir un résultat visuel qui soit à la hauteur des beautés des lieux, de la beauté de Villefranche, de l'Arde. On pense qu'il faut vraiment s'engager corps et âme et sur un temps non prescrit, non fini. Alors ça a donné 5 ans pour ce projet. Ce qu'il faut, c'est que ça soit complet, global, et qu'on n'ait pas l'impression d'avoir manqué une note dans cette harmonie générale que nous offre cet écran. Nous avons choisi de travailler sur du marbre de Tavel. La gravure sont des capitales romaines, on les appelle comme ça, capitales monumentales, mais ça vient directement du graphisme de la colonne Trajan de Rome. Et des paysages qui sont élaborés avec une peinture à l'huile sur un gesso qui permet une bonne adhérence sur la dalle de marbre. Et les paysages ont été une longue réflexion sur ce paysage, sur ce territoire utopique du Piémont-Savoie, qui reprend des fondamentaux de la peinture, notamment de la Renaissance, et aussi de la tradition étrusque, donc antique, avec la notion de paysage, de champs, de campagne, souvent peu habité, sans véritablement un espace pour le crochet pictural, uniquement des paysages habités par la main de l'homme, du travail de l'homme. Et ce travail est une peinture qui se veut être une harmonie générale entre à la fois le texte et l'image. Donc après, pour ce livre de Villefranche, et en plus la capitale a été dorée à leur fin, pour apporter une certaine luminosité à l'ouvrage. On essaye de fondre en même temps une approche qui soit une approche textuelle, mais aussi une approche qui est une approche numérique ou numérologique, de façon à ce qu'il y ait toute une série de lectures possibles qui soient à la fois ouvertes et qui puissent en même temps conduire une sorte de chemin initiatique à l'élaboration du sens. Il y a cette dimension d'une promenade initiatique dans une journée idéale qui se compose comme une rêverie au bord de la mer. Donc on peut, lors d'une vision du livre, se promener également du début à la fin. La création, c'est la première des valeurs dans notre travail. C'est cette création qui permet de s'ouvrir sur la philosophie après, sur la réflexion plus spéculative, sur le récit, on peut dire que les formules qui sont sur le livre de Pierre sont des formules de récit, à savoir des formules de roman presque, qui s'inscrivent dans le grand projet global des figures, donc dans la totalité des livres, qui composent à la fois des textes en prose et des textes donc lapidaires, des plus petits textes, mais qui sont tous associés d'une façon ou d'une autre, comme les images, au récit. Donc les figures sont un projet narratif, tant poétique que narratif. Et la création est prise au sens premier du terme, qu'elle soit picturale, spéculative, philosophique, mais aussi littéraire. On peut dire que l'art de Villefranche, en cela, pour nous, est un des creusets où on met tous ces éléments, qu'on pourrait qualifier aussi de méditerranéens, et ça donne après le résultat, je dirais, synthétique de l'ensemble.
la problématique de la donation instaure un rapport social par rapport à l'œuvre et aux personnes qui vont la voir et aux personnes aussi qui la reçoivent, qui n'est pas directement dans le cadre d'une économie marchande. Et cet élément de sortie de l'économie marchande, pour nous, c'est un élément qui est essentiel parce que ça permet de développer certaines thématiques qui, sinon, ne pourraient pas être développées jusqu'au bout. Donc, une des thématiques, par exemple, importantes sur lesquelles on veut travailler dans le cadre poétique, par exemple, c'est la question du sacré. Et cette question du sacré, elle est pour nous fondamentale pour au moins deux raisons. D'une part, ça permet d'indiquer que l'objectif de la poésie est de chercher des explorations possibles, des devenirs possibles dans l'être au monde qui est le nôtre, et d'essayer de créer des brèches, créer des passages, qui soient des manières d'être, des manières de penser, des manières de faire avancer des réflexions, des idées, qui sont exploratrices en quelque sorte, et qui soient aussi expérimentales. Donc ça, c'est un point important. Et quand on arrive à un niveau, je dirais, d'intensité dans l'expérience, cette problématique du sacré devient quelque chose d'important. Et de manière aussi conjointe, certains éléments qui caractérisent notre modernité, par exemple la réflexion sur certains crimes contre l'humanité, certaines réalités historiques que nous connaissons, par exemple si on fait un focus sur les victimes, qui peuvent être des victimes enfants, par exemple, doivent être traitées socialement et historiquement, et même d'un point de vue religieux, parfois, mais souvent. Mais parfois, ce qu'il faut absolument faire, c'est aussi une approche poétique de la question, de manière un peu plus anthropologique, un peu plus générale, et qui nous mette un peu au devant de ces réalités. Donc ces questions de mémoire, finalement, elles demandent un type d'engagement, et elles demandent aussi une espèce de rapport direct avec ce qu'on veut traiter. Et dans ce rapport direct, cette question, par exemple financière, liée à l'élaboration des objets, ou devenir possible des objets dans un monde commerçant, brise en quelque sorte des dires qui seraient des dires possibles sur la question mémorielle. Donc, fondamentalement, le lien entre la poésie, l'art et la donation, c'est quelque chose qui est fondamental parce que ce rapport-là, ce pont-là, permet d'ouvrir véritablement une brèche dans ce qu'on voudrait dire, ce qu'il est possible de dire dans notre expérience. Et à partir de là, ça ouvre des possibles. Et donc, c'est l'objectif quand on est poète, de travailler sur tout ce qui est possible de dire et de jamais se limiter à des éléments qui seraient contingents et qui nous mettraient dans des formes de clôture parce que l'organisation sociale déterminerait vraiment ce qu'on voudrait dire. Donc la plasticité, l'ouverture, la possibilité de s'ouvrir au maximum sur les possibilités énonciatives, tous ces thèmes-là sont à être, à mon avis, extrêmement respectés. Et donc, la question de la donation, est-ce qu'on a trouvé de plus direct, de plus simple pour pouvoir répondre directement à cette problématique ?